Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, ma présentation va porter sur l'importance d'un matériau de nidification pour la truie et les porcelets. Pour rappel, toutes les truies, quel que soit leur mode de logement, expriment un comportement de nidification à l'approche de la mise bas. En milieu extérieur ou semi-naturel, la truie commence par creuser un nid, puis va chercher des matériaux et les dispose dans et autour du nid. Pour cela, elle utilise le groin et les pattes. Pour creuser, attraper des matériaux et les disperser. On retrouve ces mêmes comportements chez les truies élevées en bâtiment, qu'elles disposent ou non d'espace ou de substrat. Ce comportement débute dans les 24 à 12 heures précédant la mise bas et s'achève en situation optimale avant le début de la mise bas, mais il peut être prolongé pendant la mise bas et dans ce cas, on peut considérer que le bien-être de la truie peut être altéré. L'objet de nos travaux est de montrer comment on peut favoriser une bonne expression de ce comportement et de mesurer l'impact que cela va avoir sur la mise bas et les résultats techniques. Pour cela, nous avons utilisé quatre bandes de 24 truies logées en contention et sur lesquelles il n'y a pas de déclenchement de mise bas. Nous leur avons affecté deux traitements, un traitement témoin, donc sans matériaux ajoutés, et un deuxième traitement où on apporte une toile de jute qui est mise à disposition le lundi de la semaine de mise bas, retirée à la fin de la mise bas et renouvelée ou remplacée si la toile est détruite ou est trop courte. Cette toile descend en fait jusqu'au sol devant la truie. Nous avons filmé 17 truies avec la toile de jute et 18 truies témoins sur l'ensemble de la semaine de mise bas. Et ces films nous ont permis donc d'analyser deux périodes. Une période de 12 heures précédant la mise bas, où nous avons regardé le comportement des animaux, à savoir comportement de nidification, gratter, donner des coups de patte, ratisser avec des mouvements avant-arrière de la tête sur le sol ou sur la toile, et transporter, arranger la toile. Ces variables seront exprimées par la suite en pourcentage du temps d'observation, à savoir 12 heures. Nous avons également analysé le comportement pendant la mise bas, avec là encore le comportement des truies, les postures et le chronopart. Et là encore, les variables sont exprimées proportionnellement à la durée de mise bas de chacune des truies. Nous avons évalué l'état de la toile de jute deux fois par jour au cours de la semaine précédant la mise bas, avec quatre notes, donc des toiles intactes, déchirées à un tiers, à deux tiers de leur surface ou détruites. Nous avons fait un suivi des portées, donc de 47 portées par traitement, en relevant le poids des porcelets à la naissance, au moment des soins, et également à 3 semaines et 4 semaines de lactation. Nous avons également fait un suivi du statut des porcelets à la naissance, donc est-ce qu'on avait des porcelets vivants, morts-nés ou des momifiés? Et ensuite, tout au cours de la lactation, nous avons relevé les pertes de porcelets. Nous avons suivi l'état des toiles de jute pour 43 truies jusqu'au moment de la mise bas. Le moment de la mise bas, le jour de la mise bas est figurant sur le graphique avec la valeur 0. On constate que jusqu'à la veille de la mise bas, 42 toiles sont intactes ou peu dégradées. Par contre, le jour de la mise bas, on a observé 13 truies qui avaient dégradé très fortement, voire détruit la toile de jute. On peut donc considérer que la toile de jute a été un support intéressant pour l'expression de ce comportement de nidification. En ce qui concerne maintenant l'activité des truies, donc plus précisément, on a regardé les activités de nidification et les activités d'investigation de la cage. C'est ce qui est reproduit sur le graphique à droite. On constate que dans les heures qui précèdent la mise bas, on a une augmentation progressive de l'activité de nidification qui existe pour les deux traitements et qui culmine 3 heures avant la mise bas. Au final, on constate que la durée de nidification est identique entre les deux groupes. 140 minutes pour la toile de jute, 135 minutes pour les truies du groupe témoin. Par contre, on observe avec la toile de jute plus de séquences de nidification, 83 versus 65 pour le groupe témoin, avec une différence significative,
Et cette fréquence plus importante d'activité de nidification pourrait être le signe d'un environnement plus favorable. En ce qui concerne les activités d'investigation, on constate que les truites témoins passent plus de temps à manipuler le sol et la cage que les truites qui ont de la toile de chute, ce qui a été décrit par certains auteurs comme un indicateur d'inconfort. Finalement, on peut considérer que la toile de chute procure un environnement plus favorable à l'expression de ce comportement de nidification. Alors, quel est l'impact sur la mise bas? Tout d'abord, on a constaté en fait des durées de mise bas plus longues chez les truites qui disposent de chute que chez les truites témoins, avec un écart d'1 heure. Et globalement, 30% de mise bas considérées comme très longues, donc de durée supérieure à 5 heures. Cette proportion étant la même pour les deux groupes. Ces mises bas longues sont à mettre en relation avec un nombre de porcelaines et d'otos important et qui ne diffèrent pas entre les deux traitements. Si l'on regarde l'évolution du chronopart, du rythme de naissance des porcelets, on constate que pour les deux traitements, on a un rythme similaire sur les trois premiers porcelets qui se décale au-delà, à partir du quatrième porcelet, avec un retard qui persiste jusqu'à la fin pour le traitement juste. Si l'on regarde l'activité des truies pendant la mise bas, on constate que pour les deux groupes, on a une poursuite de l'activité de nidification, mais qui est beaucoup plus importante dans le groupe témoin que dans le groupe jute. On a un tiers des truies du groupe témoin et 12% des truies du groupe jute qui continuent en fait d'exprimer ce comportement sur plus de 30 minutes pendant la mise bas. On constate également donc que les truies jutes sont moins actives et passent plus de temps couchées, 92% contre 84% pour les truies témoins, et elles sont couchées préférentiellement en position latérale, cette position étant significativement plus fréquente dans le groupe jute que dans le groupe témoin, et c'est une posture qui est favorable à des allaitements de porcelets. Dernier point, on a regardé les changements de position. On observe plus de changements de position dans le groupe témoin que dans le groupe jute et plus de changements de position à risque dans ce groupe témoin. Les changements de position à risque étant le passage de la posture debout vers les autres postures ou de la posture assise vers n'importe laquelle des postures couchées. Donc globalement, on a des truies plus calmes pendant la mise bas avec la toile de jute. En ce qui concerne les performances de reproduction, nous n'avons observé aucune différence entre les deux groupes sur les données relatives aux porcelets, que ce soit les nez totaux, les nez vivants ou les sevrés. Les valeurs ne diffèrent pas significativement entre les deux groupes. On n'a également vu aucune différence en termes de poids de porcelet à la naissance ou au sevrage pour les deux groupes, ni en termes de poids et d'état des truies pour les deux groupes à la naissance et au sevrage. Si on regarde de plus près la survie des porcelets et l'évolution de la mortalité selon les traitements, on a eu un peu plus de porcelets nés vivants dans le groupe témoin, 742 contre 695 pour le groupe jute, et proportionnellement significativement plus de petits porcelets, c'est-à-dire de porcelets de moins de 1 kg, dans le groupe témoin que dans le groupe jute. On en a eu 17% dans le groupe témoin et 12% dans le groupe jute. Si l'on regarde les pertes de porcelets au cours de la lactation, à la naissance et dans les 2 jours qui suivent la naissance, on n'a aucune différence en termes de perte de porcelets. Par contre, si l'on regarde sur 1 semaine ou sur les 28 jours de lactation, on voit une différence significative entre les deux groupes, avec un taux de perte un peu plus important pour le groupe témoin que pour le groupe jute, une partie de ces pertes étant peut-être liée au fait qu'on avait plus de petits porcelets. En conclusion, on peut dire qu'on a des effets bénéfiques pour les truies avec l'apport d'une toile de jute qui descend jusqu'au sol, avec une meilleure expression du comportement de nidification, une activité réduite des truies pendant la mise bas et donc un moindre risque d'écrasement des porcelets.
mais un comportement de nidification qui est incomplètement satisfait dans la mesure où on a une poursuite faible mais qui existe du comportement de nidification chez les truies qui ont une toile de jute pendant la mise bas. Par contre, sur les porcelets, on a des effets qui sont assez peu marqués, hein, peut-être en lien avec certains facteurs limitants, la contention des truies que l'on a dans cette étude, éventuellement aussi une prolificité élevée, hein, qui pourrait en fait réduire l'impact positif d'une toile de jute pour la nidification. Je vous remercie pour votre attention.